Ben voilà, on a fait, je pense, un petit peu le tour de la classe 92. Vous avez un petit peu tout vu. Voilà, donc tout est utilisable avec les flèches aussi. Voilà. Un petit truc, on va tester ensemble. Hein. Tester ensemble, si la traverie, on sait l'enlever maintenant. Bon, on sait l'enlever tout seul. Et est-ce que la traction va reprendre? Ben non, voilà, la traction va reprendre. Ok, et bien ça est bien quelque chose. Faut savoir que le bouton boost que je vous avais montré hier ne sert strictement à rien, il est simulé, mais il sert à rien. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu aussi hein, le petit défaut que j'avais remarqué. On va descendre le feu, mais pantographe. Alors faut savoir qu'on doit toujours repasser d'abord le neutre. Voilà. Alors le pantographe, c'est BS. Voilà. On va passer sur BR. DC. Voilà. On va remonter sur le pantographe. Repasser en marche avant. On va reprendre notre traction. Et comme vous voyez, si la traction ne reprend pas, je vais me trouver avec mon problème. Ah ben non, écoutez, si la traction ne reprend pas. Très étonnant. J'avais pourtant remarqué ceci sur la WCML. Je testerai ça encore une fois pour vous sur la WCML, je vous tiens au courant. Mais ici je vous reconnais. Ben, ici la traction reste correcte. Ici on va repasser à l'autre. En contrôle. Voilà. Hop. On repasse comme ceci. Vous le voyez, voilà, on a des surprises hein, quand on réessaye certaines choses, ça fonctionne plus, donc ça fonctionne. Mais voilà, je vous ai fait un petit tour de la classe 92, vous avez découvert, je pense, pas mal de choses. Hop, un petit frein de secours, ça fait toujours du bien. Voilà, pour freiner cette fameuse machine. Voilà, voilà. Et ben, je vous ai fait donc ce tour de cette fameuse classe 92. Ici, de la fameuse Milton. J'espère que ça vous a convaincu peut-être à l'acheter. Peut-être à vous dire que, bah oui, il vaut le coup. Et c'est vrai que son prix reste relativement au-dessus du prix que je donnerais pour la machine. Mais avec la TVM, elle le vaut quand même. Ça, j'en suis quasiment sûr. Voilà, voilà. Eh ben, les amis, les Rayfans, n'hésitez pas à lâcher vos coms comme d'habitude. Et vous voyez, je viens encore de découvrir quelque chose. J'appuie sur un bouton, et ça fonctionne. Je ne comprends mais vraiment plus rien du tout. C'est pas grave, je vais encore certainement découvrir des choses que je vous indiquerai, ou je vous ferai même une vidéo. N'hésitez pas non plus à lâcher vos coms sur ce que vous voulez, peut-être que j'essaye, sur ce que vous voulez, les lignes ou quoi que ce soit que vous voulez voir. Je ne sais pas encore réellement ce que je vais vous essayer, mais je vais sûrement vous faire un essai avec une machine gratuite, la BB8100 de Julien sur railsimfr.com. N'hésitez pas à aller voir, hein, un petit peu voir les tests qui ont déjà été effectués, mais je vais vous en faire un sur une fameuse ligne du Nord aussi en même temps. Et donc là, on fera une vidéo quand même largement plus longue que celle-ci. Mais ici, voilà, vous avez un petit peu la présentation de la classe 92, et je vous ferai aussi une vidéo de présentation de la London Faversham. Je trouve une chouette ligne. Je vous ferai un scénario standard et on fera le long, tout le long de cette ligne. Voilà. Allez les amis, les Rayfans, à plus, bye bye.